Добро пожаловать в мой канал. Une tempête, baptisée Carmen, pourrait toucher la France dès le 1er janvier. Prévue par Météo Consult, une société du groupe Le Figaro, cette tempête devrait balayer le pays pour le jour de l'AM, lundi, des côtes de la Manche à la côte aquitaine avant de se diriger vers le sud-est. Ce fort épisode vente fait suite à la tempête Anna, qui a soufflé jusqu'à 161 km/h sur les côtes atlantiques les 10 et 11 décembre, et la tempête Bruno, dont les rafales de vent ont atteint 150 km/h dans les Pyrénées-Orientales les 26 et 27 décembre, une tempête classique de décembre ou janvier. Selon le communiqué de Météo Consult, la trajectoire précise de la dépression à ce jour est assez incertaine. La tempête n'est pas encore confirmée, indique aussi un prévisionniste de Météo France. Il faut rester prudent sur sa trajectoire éventuelle. Elle pourrait toucher l'Irlande, l'Espagne ou la France en premier. En revanche, en termes de vent, si elle se confirme, il s'agirait d'une tempête classique de décembre ou janvier avec des vents de 90 à 100 km/h à l'intérieur des terres, explique-t-il, symbole d'avertissement tempête Carmen lundi, symbole d'avertissement le risque se confirme de plus en plus. Les infos ici https://www.twitter.com/9zd9apcwta, la chaîne météo @ la chaîne météo 29 décembre 2017. La préfecture de Bretagne appelle à la vigilance. Vendredi, un homme de 60 ans a été grièvement blessé lors du passage d'un coup de vent localisé dans le Finistère. De nombreux dégâts matériels ont également été recensés, précurseurs de la tempête Carmen, selon Le Figaro. La préfecture de Bretagne a appelé à la vigilance sur les côtes de la Manche pour toute la durée du week-end et jusqu'à lundi, météo symbole d'avertissement. Risque de vent fort sur les côtes de la Manche, vigilance jaune de samedi 3012 à lundi 1er, soyez prudents, doublez d'attention sur le route et joyeuses fêtes de fin d'année. Bretagne.pic.twitter.com/0bnwev, l'état en Bretagne @Bretagne gouv 29 décembre 2017.